Bon, ben, bienvenue à ma troisième partie de qui je suis. Bon, ok, là maintenant, ok, pour cette page-là, commençons. Des troubles graves de la communication, bon, qui sont assez déjà, blablabla. Ok, bon, des troubles de socialisation. Voici une phrase importante ici. L'autiste veut interagir, mais ne peut pas à cause de son handicap. Ça me surprend. Parce que je n'aurais jamais su, moi, là. Moi, je vais essayer d'interagir, moi, avec vous. Mais à cause de mon handicap, ils disent que je peux pas. Pourtant, j'essaye quand même. Moi, j'essaie tout le temps de défaire toutes les statistiques possibles. Impossible, plutôt. Tu sais. C'est comment qu'il veut essayer de vous montrer ce c'est pas ce mal-voir photo DS, ok? Un style de jeu différent. Peut-être prometteur aussi. Tu sais. Puis éviter de toujours rester dans notre coin à attendre l'adversaire aussi pour le saisir. Puis enchaîner tous les coups que tu veux. Puis jamais contre-attaquer. Mais pas jamais contre-attaquer, mais c'est pas ça que je veux dire contre-attaquer. Que je veux dire poursuivre son assaillant. Jamais aller porter le premier coup en premier. Sans bouger le premier. Toujours à l'autre d'y aller. OK? Comme si vous pensez. Vous pensez à quoi, là? T'sais, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit. Et non qui pense. Il réfléchit à ce qu'il va faire. Puis c'est dans un délai limité, là, ben, en fait. Moi, je suis limité dans mes actions, mais ça fait pas de moi quelqu'un de mauvais. Tu sais, je tente. Moi, à la place de jouer comme vous autres, j'essaye de percer les trous. OK? Pour enchaîner les combos ensuite. C'est ce que je fais le mieux. J'aime pas ça, c'est dire mes adversaires. Pour moi, c'est comme manquer de respect, comprenez-vous? Je sais que c'est une bonne méthode de saisir ses adversaires, mais quand c'est rendu continuel, Seigneur, on dit que je sais qu'il existe. Fait que, pourquoi le jeu devrait s'appeler Super Smash Bros. À cause de ça? Voyons donc. C'est rendu qu'on se limite à saisir ses adversaires, à se protéger à chaque fois qu'il essaie de frapper, les attendre dans votre coin, puis ensuite des poignées de main. Crème, Seigneur, il n'y a pas d'autre astuce à part ça. C'est comme pour utiliser l'attaque repos de Rondoudou. Hein, comme je suis un escape qui connaît rien à Super Smash Bros. Hein? C'est comme quelqu'un qui connaît rien à comptabilité. Hey! Crème, Seigneur, me semble, là, tu sais. Tu sais, me semble, si t'as une facture d'un fournisseur, tu vas mettre sur le bon fournisseur. Hein? Pas le mettre dans un autre. Si ça m'est déjà arrivé de faire des gaffes, là, mais la plus grosse gaffe que j'ai déjà faite dans ma vie, là, en comptabilité, moi, c'est. Ok, t'as inventé une facture qui n'existe pas. Mais disons que toutes les erreurs que j'ai faites, ça s'est tout un peu par-dessus, puis ça a fini par faire perdre ma confiance, puis j'ai commencé à avoir peur, là. De ne pas être engagé. Puis c'est ça qui est arrivé. Mais savez-vous, c'est à cause de quoi en particulier? Le golf. Je me suis mis dans la tête de devenir un joueur de golf professionnel. Alors que j'ai 26 ans. Ben oui. Mais j'avais 24 ans à ce moment-là. J'avais découvert ça à 21 ans. Je sais que c'est un peu en retard, mais j'aimerais ça essayer. Ça m'amuse. Au moins, ça ne m'a pas une activité de plus dans la vie. Puis ça me permet de rencontrer des gens, des courtoyers. Le golf. Mais là, j'ai pas le budget pour ça. Ces problèmes peuvent être d'intensité variable ou se présenter différemment selon les atteintes. Certaines personnes ayant un tel peuvent fonctionner de façon normale en société. Attention. Important ici. OK. Certaines personnes ayant un tel peuvent fonctionner de façon normale dans la société. «
Alors que d'autres requièrent une supervision 24 heures sur 24. Ça, moi, j'espère pas arriver là. En tout cas. Alors que d'autres requièrent une supervision de 24 heures sur 24. J'espère que non. Mais j'ai toujours besoin d'un guide pour aller vers d'autres sommets. J'ai besoin de ça pour débuter après ça. Après ça, une fois que je veux savoir les travaux que je dois exécuter, ok, je vais les savoir par cœur. Je suis de même. Si je manque de pratique, ben, je vais finir par tout perdre mes notions, là. Ben, c'est ça un petit peu ma crainte si je trouve pas de travail. T'sais, j'ai l'impression qu'il y en a qui veulent même pas nous laisser une chance, nous faire valoir parce qu'ils veulent absolument qu'il y ait de l'expérience de travail, ok? Mais moi, j'en ai pas, si. J'ai juste peut-être 2 ans de stage, au moins c'est déjà un petit plus. Un petit DEP, oui, ok. J'ai un DEP en comptabilité. Puis jamais ça a débloqué. J'ai travaillé en stage pendant 2 ans dans un terrain de golf. Première année, excellente. Deuxième. Mais aussi peut-être qu'il n'y a pas juste moi à blâmer. Aussi, la personne qui me supervisait, ben, qui faisait ma boss, bon, ben je l'aimais bien, ma boss, ça c'est sûr. Assurément. Sauf que je pense qu'elle aussi, elle s'en est mis trop ses épaules. Parce qu'elle voulait tout gérer en même temps. Fait que, tu sais, elle a une compagnie de théâtre juste en bas. Puis elle doit tout organiser les shows à chaque jeudi, vendredi, samedi. Ok? Alors, ça doit être vraiment des gens. Puis en plus, il y a inclus des forfaits souper avant le spectacle. Pour les gens qui veulent aller voir le spectacle, ben il leur offre un forfait souper pour que ça leur coûte moins cher. Hein? Ben, c'est pour que ça soit avantageux, hein, t'sais. Question de marketing, hein? Comme je savais rien en affaires, ben là, je sais que je connais rien, je n'ai pas d'expérience. T'sais, apprenez-moi. Si, apprenez-moi. C'est comme dire que les gens n'ont jamais le temps. Oui, si je comprends, ok, quand on a beaucoup ses épaules, je voulais pas trop lui en donner plus. Mais j'avais toujours besoin de son aide, c'était ça le problème aussi. Ce qui fait que ça une supervision de 44, j'en aurais eu besoin pour un certain laps de temps parce que j'ai pas le temps de prendre mes notes. Là, que ça a donné avec tout ça, ben c'est que en prenant pas de notes, ben là, je finissais par perdre des bouts. Puis en perdant des bouts, ben là, je me suis comme planté. Puis j'avais commencé à avoir des pertes de mémoire. Pourtant, la première année était excellente. Que j'ai même reçu un kit de golf. Hein? Un kit de bâton de golf. Et je vais en remercier beaucoup pour ça. Un kit de bâton de golf. Puis si c'était même pas assez pour mes abonnés, là. Bon, ne vous préoccupez pas des balles, ok? Puis de comment ça s'appelle déjà, une roulette? Le petit chariot, là, pour soutenir mon bâton de golf. Ouais, voilà. Et c'est elle qui m'a offert ça en cadeau en dehors de ma première année. J'étais bien content. Ouais, ok, j'étais devenu un peu paranoïaque du golf, c'est sûr, là, mais tu sais, j'adorais ça. J'aimerais ça le pratiquer tout au long de ma vie. Et là, j'ai comme manqué ma chance de. J'avais droit à des cours de golf gratuits, puis. Et voilà que ça a donné tout ça. Moi, ça me prend pas grand chose pour être heureux.
tant que j'ai ma famille puis mes jeux vidéo, moi, tout va bien aller. Je suis en parfaite santé. Aucun problème cardiaque, rien. Tout est beau. Tout est beau, c'est je suis A1, moi. Là. Sauf que vous allez toujours retarder à ce petit problème, ok? Le fucking handicap. Et pourtant, quand je regarde des nouvelles des fois, ok, là, comme par exemple un matin, ok, genre, il y a un organisme, ok, qui font jouer des hockeyeurs aveugles, ok? Puis sais-tu quoi? Il y a quelqu'un, un recherchiste, ok, qui a pensé à fabriquer une rondelle, ok, vraiment léger, ok, puis selon le contact avec le bruit qu'il fait, selon la vitesse auquel la vitesse qui va que la rondelle va aller, ben ça va permettre aux aveugles, okay, de savoir, okay, quand c'est quoi une rondelle rapide, une rondelle qui va lente, une rondelle qui va cogner contre le mur. Ils vont tout entendre ça. Ça va être plus facile pour jouer. Puis imaginez-vous donc si ça serait bien le fun, ok, que ces gens-là, ok, on pourrait les inclure dans une série olympique, genre. Ça serait-il quelque chose? Puis imaginez-vous donc, moi je suis pas quelqu'un d'aveugle, ni qui est sourd-muet. Juste une personne qui a un thème. Juste une personne qui a un thème qui souhaite être populaire sur YouTube. Puis montrer aux gens que je suis bon, que je suis fin, généreux, et que je ne mens pas sur rien. Que je suis quelqu'un, je suis l'une des personnes les plus honnêtes au monde. Je vous ai même montré mon kit de golf, là. C'est pas truqué, cette affaire-là. Je truque pas rien. J'aime pas ça. En plus, je sais même pas comment on fait pour faire du trucage, ok? Moi, ce que je sais sur l'informatique, ok? Je sais comment démarrer, faire des mises à jour, me créer des dossiers, de les organiser. Comment utiliser une clé USB? Comment aller sur un forum? Comment faire des recherches? Mais pourquoi qu'on leur met une barrière à eux autres, aux handicapés? Pourquoi on met une barrière? Peu importe qu'ils soient sourds-muets, sourds. Hey, puis même que moi je sais dans mon cours à DEP, il y a eu un semi-aveugle dans mon cours à moi, puis qui a réussi. Je sais pas où ce qui est rendu en ce moment, mais c'est une bonne personne, puis il avait besoin d'une canne pour se déplacer. Il faut quand même avoir du courage quand même, hein, pour faire quelque chose comme la comptabilité. Puis il y avait un écran spécial pour lui. Imaginez, on fait tout pour les aveugles. On fait tout pour aider les aveugles. Mais pas pour le reste de la gang. Qui sont ni sont muets, qui sont ni semi-aveugles, ou aveugles à 10%, quelque chose dans ce genre-là. Nous, qu'est-ce qu'on devient, nous autres? Hein, qu'est-ce qu'on devient, nous autres? Mais ça, jamais. Qu'est-ce qu'on devient, nous autres, de les dysphasiques, ceux qui ont des troubles de comportement, ceux qui ont une déficience intellectuelle, les TED, ceux qui peuvent bien vous surprendre à bien des égards?